Épisode 6.3, réutilisation de composants, le cas Ariane 501. La question qui se pose ici est celle de la validité intercomposant. C'est-à-dire qu'on a un composant qui a été construit pour un système, par exemple celui-ci. On suppose que ce composant est correct. Et la question est, est-ce que quand j'utilise ce, ce, ce composant dans un nouveau système, est-ce que le résultat est correct Ce vol a débuté de manière tout à fait normale. Et puis, euh, à peu près à euh, 37 secondes après le décollage, il a commencé à se passer des choses étranges dans un sous-système qui s'appelle le système de référence inertielle numéro 2, euh, où une certaine variable qui s'appelle BH pour bias horizontal a dépassé la valeur 2 puissance 15. Donc le système de référence inertielle, c'est le système qui s'occupe de positionner la fusée dans l'espace, enfin de savoir où elle est c'est-à-dire de savoir rouler sur l'axe horizontal, vertical et en profondeur, et de connaître à la fois sa position, son déplacement et son accélération, c'est-à-dire c'est une centrale à inertie qui permet à la fusée d'être positionnée correctement. Et donc là, la variable de cette, euh, qui, qui est lue sur le périphérique physique de, du système de référence inertielle dépasse une certaine valeur, donc jusqu'à là, pas de problème. Sauf que la ligne suivante du programme essaye de convertir cette valeur lue sur le capteur vers un entier court, codé sur 16 bits, euh, signé. Et donc évidemment, euh, la conversion échoue. Et euh, comme il s'agit d'un langage évolué, hein, les, le, le, le code qui a été écrit là-dedans est programmé, en, est écrit en ADA, euh, qui est un langage euh, qui est à typage fort et en particulier qui possède une gestion d'exception euh, sophistiquée comme vous trouvez aujourd'hui dans un langage comme Java ou c -sharp ou autre. Et bien comme la conversion échoue, évidemment, il y a une exception qui est levée. Et euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de handler de cette exception, c'est-à-dire que l'exception n'est pas attrapée. Euh, et donc, comme dans un programme Java, si vous n'attrapez pas l'exception, ben, qu'est-ce qui se passe Vous avez le crash du programme. Donc là, le système de référence inertielle numéro 2 se crash. Et une fraction de seconde après, le système de référence inertielle numéro 1 se crash aussi. Pour exactement la même raison. Alors pourquoi il y a un deuxième système Parce qu'évidemment tous les systèmes dit critiques, si jamais un système tombe en panne, il en faut un deuxième qui est capable de prendre le relais. Et c'est le cas dans Ariane où l'ensemble des systèmes sont dupliqués. Mais là comme on voit qu'il s'agit d'une faute logicielle hein, puisque c'est une faute de conversion, euh, évidemment l'autre sous-système euh, se crache à une fraction de seconde d'intervalle de la même manière. Donc les deux sous-systèmes se crachent. Jusqu'à là, pas trop de problèmes, sauf que... Euh, ben, ce qui se passe après devient problématique puisque lorsque les sous-systèmes se crashent, en fait, ils envoient un dump de leur état sur le bus. Or, le... à destination de l'ordinateur de bord, le... or l'ordinateur de bord ne s'attend pas à cette étape-là du vol à recevoir d'autres instructions que des données de vol, et certainement pas un crash, un dump, qui est un ensemble de codes hexadécimaux qui est pour lui essentiellement des données de vol qui ressemblent à quelque chose d'aléatoire. Donc qu'est-ce qui se passe Il interprète ce, 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 ce dump comme euh, des données de vol. Et là, la fusée, euh, ben, il a l'impression qu euh, que la fusée part trop à droite, par exemple, et donc il essaye de contrebalancer en partant à fond à gauche. Et évidemment, la milliseconde après où il lit euh, le, 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 les données venant du SRI, il a une autre donnée complètement aléatoire, ce qui fait qu'il essaie de contrebraquer dans l'autre sens, et donc la fusée commence à osciller avec un angle d'attaque extrêmement important de 20%, ce qui induit des charges aérodynamiques extrêmement élevées, et les boosters latéraux commencent à menacer de se séparer. Et là, c'est tout à fait dramatique, parce que si les boosters latéraux, c'est-à-dire les fusées à poudre, qui accompagne l'Ariane Ariane dans la première étape de son vol se décroche alors qu'ils ne sont pas vides, ils risquent fort de retomber, comme des missiles, éventuellement sur la base de, spatiale de Kourou. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument interdire, ce qui est prévu dans le, dans le, dans le protocole de, de Ariane. Et donc, euh, comme les boosters commencent à se séparer, le, la fusée prend euh, la seule décision qui est possible, c'est-à-dire l'autodestruction du lanceur. Alors, évidemment, euh, ça, ça coûte très cher. Hein, euh, le, le coût estimé de ce problème est estimé à 500 millions d'euros. Euh, et donc, assez rapidement, on, on a récupéré les boîtes noires de Ariane et on a essayé de comprendre ce qui s'était vraiment, vraiment passé. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est exactement ce que je viens de vous décrire euh, dans, euh, dans, dans, dans la chose précédente, c'est-à-dire cette séquence d'opérations-là qui a amené, euh, après euh, ce problème informatique, le, euh, le, le crash de la fusée par toute une série d'événements qui se sont succédés derrière. Et donc c'est assez intéressant d'essayer de comprendre d'où vient ce bug. Pourquoi Parce que dans l'histoire, on a eu de nombreuses fois des, euh, des bugs, qui ont été, enfin, des, des, des catastrophes qui ont été causées par des, par des erreurs logicielles avec une, par exemple une des premières qui a été documentée, qui était le crash d'une sonde américaine, je crois, sur Vénus, qui s'est crashée à, la, à cause d'une erreur de syntaxe dans un programme Fortran. Où euh, il y avait euh, un point virgule à la place d'une virgule dans une boucle, ce qui changeait complètement le sens du programme et qui a fait que ça ne marchait pas. Et or, il faut savoir qu'à l'époque de, de ce crash-là, les, les programmes étaient imprimés sur des imprimantes matricielles et il suffisait que l'imprimante ne soit pas extrêmement chargée en encre pour qu'en relisant le programme, confondre un point-virgule avec une virgule, c'était tout à fait possible. Et ça, ça a conduit les ingénieurs de la NASA à euh, essayer de faire en sorte que leur futur système soit programmé avec des programmes qui, de manière, par construction, ne permettent pas ce genre d'erreur, enfin empêchent ce genre d'erreur. D'où le développement de langages plus rigoureux, comme le langage ADA à la fin des années 70, au début des années 80, qui a été adopté, à différents endroits dans le monde aéronautique et, et militaire pour éviter par construction ce genre d'erreur. Donc ce n'est pas, euh, pas une erreur de ce type-là qu'on a ici. Une, le programme était correct et le composant logiciel qui était utilisé avait marché jusqu'à présent. Donc c'est intéressant de se poser la question, si ce n'est pas une erreur de frappe, d'où vient vraiment l'erreur donc, euh, pour ceux qui sont intéressés par les détails, j'ai écrit un article dans le, la revue IEEE Computer de janvier 1997 qui détaille ce que je vais maintenant donner. Mais la chose qui est assez intéressante, c'est que euh, il s'agit pas d'une erreur de programmation, contrairement à ce qu'on croyait au début quand on a commencé à regarder ce qui se passait. C'est-à-dire que Effectivement, euh, il y a eu une erreur au moment de la lecture du capteur, euh, et l'erreur euh, euh, s'est propagée puisqu'il n'y avait pas de gestionnaire d'exception. Et là, euh, bah en fait, en première analyse, c'est assez simple, c'est juste le programmeur qui a oublié de mettre un bloc catch sur, euh, sur cette conversion. Or, en fait, en creusant un peu, on s'aperçoit que euh, c'est pas du tout le cas, en fait, c'est pas un oubli du programmeur, au contraire, ce code-là était présent initialement dans le logiciel, et il a été enlevé. Là, ça devient intéressant. Donc, est-ce que c'est un complot, est-ce que c'est autre chose Le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas juste condamner le programmeur sur une étude de de sa part, parce que quelque part, il a un alibi, c'est-à-dire qu'il peut montrer. Et en, en étudiant la, la documentation de ce qui s'est passé dans le projet, on le voit. Il peut montrer que euh, on lui a demandé d'enlever cette conversion. Et donc c'est quelque part le concepteur, après une réflexion de conception, euh, qui a demandé de, 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 de faire ça. Donc là, c'est facile. Ça veut dire que le coupable est le concepteur. Malheureusement, le concepteur a lui aussi un alibi. Quel est son problème au concepteur C'est qu'à l'époque, euh, quand on a fabriqué ce logiciel-là, euh, pour faire simple, il n'allait pas tout à fait assez vite par rapport au besoin de donner régulièrement la position de de, à l'ordinateur de bord. Et donc, euh, il s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire en sorte d'accélérer le traitement en regardant comment se comportaient les boucles internes. Et en fait, il a été trouvé de manière assez astucieuse que euh, finalement, le, le fait que la variable bh, euh, d'après les trajectoires possibles de la fusée, euh, ne pouvait jamais dépasser la, la, la valeur 2 puissance 13. Donc euh, c'est facile, il suffit de prendre toutes les enveloppes possibles de vol de, de, de la fusée, et là on peut montrer que jamais la variable bh qui mesure la, la vitesse horizontale ne peut dépasser cette, cette valeur de 2 puissance 13. 2 puissance 13 par rapport à 2 puissance 15, ça fait un facteur 4, c'est-à-dire qu'on a 400% de marge. En ingénierie, 400% c'est absolument énorme. Quand on fabrique un pont, on prend une marge, 50% si vraiment on est prudent, on va un petit peu plus loin. Mais là, imaginez, on prend 400% de marge. La fusée ne peut pas magiquement, tout d'un coup, aller quatre fois plus vite qu'elle est censée aller. D'accord Donc la décision de euh, de considérer que la variable BH ne peut jamais dépasser de puissance 13 est raisonnable. Et à partir de là, ben, la décision qui est de dire, ben, on ne protège pas la conversion la, la, puisque cette, cette, euh, cette erreur ne peut pas se produire, est tout à fait raisonnable et elle permet d'éviter en fait euh, de, un traitement qui a lieu à chaque fois dans la boucle, même si l'exception n'est pas levée, hein, ce qu'on appelle les ombres des, des traitements d'exception, et donc d'optimiser la, euh, la, la boucle interne. Donc euh, le concepteur a un alibi, il est parfaitement raisonnable, de son point de vue, d'enlever cette protection-là, puisqu'elle ne peut pas se produire vis-à-vis -vis de la trajectoire d'Ariane 4 pour laquelle avait été développé le composant, le système de référence inertielle. Alors là, on est embêté, parce que si ce n'est pas la faute du programmeur, si ce n'est pas la faute du concepteur, c'est la faute de qui Clairement, et la commission d'enquête a évidemment montré ça, c'est un problème au niveau du test d'intégration. C'est-à-dire au moment où on a mis le système de référence inertielle euh, qui, qui venait derrière, -4 dans la nouvelle fusée Ariane 5 on aurait pu s'apercevoir qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, en le faisant a, a posteriori sur le banc d'essai, évidemment, on est capable de reproduire le crash. Hein, le, de, le, le crash du système de référence inertielle et le reste. Et donc, effectivement, on, on aurait pu faire un test qui aurait pu trouver le problème. Mais ça, c'est un peu facile. Si vous êtes un jour dans une commission d'enquête, vous pouvez faire exactement le même raisonnement. Il y a eu un problème, vous pouvez dire, c'est la faute aux testeurs qui n'ont pas suffisamment testé le programme. Et vous n'aurez jamais tort. Et comme vous n'aurez jamais tort, ça veut dire que ce que vous dites n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Comme toujours, le bug aurait pu être détecté. Mais en fait, l'espace de test est gigantesque vis-à-vis -vis des ressources qui sont limitées. Et donc, quand les ressources sont limitées lorsqu'on fabrique du test, on essaye de regarder les endroits où il y a le plus de chances de trouver des erreurs. Et il se trouve que le système de référence inertielle, il a toujours marché. Il avait une très très bonne réputation. C'est pas quelque chose qui, qui marche pas bien. Et d'ailleurs, on l'a quand même testé avec Ariane 5, hein, au moment de l'intégration, mais pas avec les données de vol. Pourquoi on l'a pas testé avec les données de vol Pour une raison très très particulière et particulièrement euh, particulièrement euh, euh, gênante. Simplement, c'est parce que le système de référence inertielle ne sert à rien une fois qu'après que la fusée a décollé. Donc, dans l'esprit du testeur, ben, ça ne sert à rien de le tester, puisque de toute façon, il ne sert à rien quand la fusée a décollé. Donc, ça ne sert à rien de le tester avec les données de vol. Sauf que, ça, c'était vrai dans les premières versions d'Ariane 4. Dans les premières versions d'Ariane 4, le, le, le système de référence inertielle était même arrêté avant le décollage de la fusée. Or, un jour, il se trouve que... Euh, le... il y a eu un problème qui n'avait rien à voir avec tout ça entre le moment où on arrêtait le système de référence inertielle et le moment où la fusée a décollé devait décoller et euh, le problème c'est que comme le compte à a été arrêté, la fusée euh, ben derrière, au moment de la relancer il faut s'assurer qu'elle est toujours bien positionnée correctement sur son pas de tir et donc pour ça il faut redémarrer le système de référence inertielle et donc, il faut revenir très très loin dans le compte à rebours et donc dans ce cas là euh, le problème qu'il y a, c'est qu'on revient tellement loin dans le compte à rebours qu'en fait, à l'époque, on a raté un lancement de Ariane 4, ce qui fait un manque à gagner sur l'année de plusieurs millions d'euros. Donc, la solution est toute simple, il suffit de se dire, bah, pour pas que ça se reproduise, au lieu d'arrêter le système de référence inertielle euh, juste avant le décollage, on va l'arrêter juste après le décollage. La question, c'est combien de temps après Alors, pas immédiatement après, parce qu'on sait bien qu'au moment où les fusées décollent, c'est là qu'il y a le plus grand risque et que la plupart des explosions ont lieu à quelques secondes du pas de tir, voire sur le pas de tir. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va attendre qu'elle soit bien haut dans le ciel, hein, à quelques dizaines de secondes, 40 secondes, 50 secondes, pour arrêter le système de référence inertielle. Regardez, à 37 secondes, ça crache. Si l'ingénieur avait décidé de l'arrêter à 30 secondes, on n'aurait jamais vu le problème. Donc le, le fait que le système de référence est inutile à cette étape du vol n'aide ben, pas les gens qui ont des ressources limitées pour faire du test. Hein, il faut se presser, la, la, la fusée a déjà du retard. Euh, juin 96, c'est déjà on est plusieurs mois de retard, donc il faut le lancer. On dit bon allez les petits gars, il faut vite finir les tests là parce qu'il est temps d'envoyer, il est temps d'envoyer de, la fusée. Et donc euh, cette partie-là n'a pas été testée et donc derrière on peut accuser les testeurs. Mais en fait c'est pas la vraie raison. Enfin, euh, la vraie raison. C'est quoi ben C'est qu'en fait, on réutilise dans une nouvelle fusée, dans Ariane 5, un composant de Ariane 4 qui a une contrainte cachée. C'est quoi cette contrainte Cette contrainte, c'est que le, euh, tant que la variable bh est plus petite que 32768, le composant se comporte de manière parfaite. Si jamais ça dépasse ça, eh bien, ça ne marche pas. Or, la contrainte était valable pour Ariane 4, mais elle ne l'est plus pour Ariane 5. Et donc, en fait, on, on, on réutilise le composant qui a une hypothèse cachée, c'est-à-dire qu'il a une précondition. Et ça, ça amène à penser qu'en euh, réutilisant un composant, eh bien, il faut en savoir un petit peu plus. Le masquage d'informations, c'est un mécanisme qui est absolument nécessaire, mais il ne faut pas masquer trop d'informations. Il ne faut pas masquer en particulier dans quelles conditions euh, on a le droit d'utiliser quelque chose. Et ça, c'est vrai de tous les appareils. Si vous utilisez un quelconque appareil électrique, euh, s'il si vous dit qu'il faut le brancher sur euh, telle, telle fréquence, hein, si vous branchez un truc qui est censé fonctionner avec 5 volts, si vous le branchez sur du 220, il va cramer. Et ça ne va pas être la faute du, du, du fabricant, ça va être vous en tant qu'utilisateur qui l'avez utilisé en dehors dans son domaine d'intervalle. Et là, c'est la même chose. On a essayé d'utiliser un composant qui marchait bien dans un certain domaine d'intervalle. En dehors de son domaine d'intervalle. Alors, l'excuse, c'est que le domaine d'intervalle, n'était pas précisé, enfin, s'il si, était précisé, c'est-à-dire au fond d'un classeur, tout au fond d'un bureau, tout au fond d'une armoire, euh, enfoui en, en sous une pile de documentation. Et ça, ça montre bien que ces composantes, ces contraintes cachées, doivent être, doivent faire partie de l'interface du composant qu'on va réutiliser. C'est ce qu'on appelle, depuis maintenant une trentaine d'années, la notion de contrat, qui a été introduite par Bertrand Meyer, euh, qui est le contrat entre un composant, et ses clients, qui, au-delà de dire, bah voilà, quelles sont les fonctionnalités qui sont euh, disponibles, dit, quels sont les domaines de définition de ces fonctionnalités. Donc, il y a plusieurs types de contrats dans un monde réparti. Hein, il y a les contrats élémentaires, syntaxiques, c'est-à-dire le fait que j'ai le droit d'appeler telle méthode ou telle autre méthode. Les contrats comportementaux, donc fonctionnels, ce sont les notions de précondition et de post qui disent, j'ai le droit d'appeler cette méthode-là, mais à telle condition. Euh, et en échange, voilà euh, ce, que me promet, euh, ce que me promet la méthode. Et puis, de plus haut niveau, on peut avoir des contrats sur les synchronisations, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le droit d'appeler en même temps que quoi. Et euh, au-delà de la qualité de service, quand j'appelle quelque chose, combien d'énergie ça consomme, combien de temps ça prend, euh, quel niveau de sécurité, etc. etc. Donc, ces notions de niveau de contrat logiciel ont été euh, proposées euh, par, par mon équipe dans euh, un article paru dans les Tripoli Computer en, 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 en juillet 1999. Et donc, pour faire des composants de confiance, il va il falloir allier au-delà de l'implantation une sorte de spécification, et on va utiliser pour cela UML avec une extension qui s'appelle OCL pour faire ça, et des tests qui vont permettre de s'assurer qu'on a une cohérence entre la spécification et l'implémentation. Et donc ça, ça va amener à se poser la question de comment est-ce qu'on représente ces contrats dans UML ce qui sera l'objet de la, du prochain épisode.